Au sujet d'un autre, alors ça n'a rien à voir avec la Libye, un autre fait d'actualité sur lequel vous êtes intervenu assez vite, et là aussi je voudrais savoir si vous ne le regrettez pas, c'est l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Vous êtes intervenu très très vite, en sa faveur. Mais vous rigolez? Dans le point. Et pourquoi je regretterais? Parce que vous dites, il n'y a pas d'affaire. Mais il n'y a pas d'affaire. Ah bon? Attendez, vous avez suivi l'affaire ou pas? Ah, un petit peu. Oui. On en a un peu parlé dans les journaux. Oui, Cyrus Vance, ça vous dit rien? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est la défense de... Vous foutez de ma gueule, je doute de quoi vous croyez que je pense une seconde, que j'aurais été ami si je croyais une seconde que Strauss-Kahn était un violeur compulsif, un homme de Néandertal, un type. Par conséquent, je pense que j'ai eu raison de dire tout de suite, cette affaire est absurde, cette affaire n'a pas lieu d'être. Strauss-Kahn n'a pas violé. J'ai trouvé votre intervention très belle, parce que j'aime quand les amis défendent les amis. Je dis ça sans ironie. Ben moi, je n'aime pas quand les amis défendent les amis, ça s'appelle la mafia. Non, pas du tout. Quand les amis sont coupables, on défend pas les amis. Voilà, donc nous on se croit bien habitués au niveau de BHL, hein, on se dit, il nous a alignés comme des perles les bêtises les plus consternantes, donc on se croit à l'abri, mais non, il y en a toujours un peu sous le capot avec Monsieur Bernard-Henri Lévy qui nous dit ici, après nous avoir dit que défendre ses amis c'était la mafia, donc précise en disant non, défendre ses amis quand ils sont coupables c'est la mafia. Donc rétrospectivement la justice américaine est oui ou non innocentée des SK, on peut. Peu importe, au moment où vous avez défendu bec et ongle votre ami, vous n'aviez aucun moyen de savoir qu'il n'était pas coupable, donc vous étiez tout à fait en position d'entrer dans votre théorème où vous défendiez un ami coupable, donc comme un mafieux. Voilà. Donc vous permettez en fait, en tant que philosophe autofinancé, de balancer des phrases comme ça, quand on défend ses amis, c'est la mafia.
Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, même si vous précisez coupable ou pas. Non. Quand les amis sont coupables, on défend pas les amis. Ce que je veux dire, c'est que non, attendez, laissez-moi finir. Vous avez défendu votre ami, c'est très bien. Non, mais on avait l'impression que vous n'auriez pas. Non, j'ai défendu un principe, c'est le principe de la présomption d'innocence. Et ben, c'est pas ça qui en est. C'est vrai que la présomption d'innocence, j'ai un peu tendance peut-être à en négliger les principes. Oui. C'est vrai que la présomption d'innocence, j'ai un peu tendance peut-être à en négliger les principes. Oui. C'est vrai que la présomption d'innocence, j'ai un peu tendance peut-être à en négliger les principes. Oui. Sorti. Mais, attendez, mais c'est pas ça qui est ressorti à vos yeux. Moi, ce que j'ai dit sur tous les tons, en France et aux États-Unis, c'est qu'on était en train d'assister à une monstrueuse inversion des choses. Autrefois, la justice de classe, ça voulait dire tu es pauvre et démuni, donc tu es coupable. Mmh. Aujourd'hui, la justice de classe, ça veut dire tu es riche et banquier, donc tu es coupable.